Mesdames et messieurs les adjoints au maire, Ahmed, Eddy, mesdames et messieurs les élus, les élus au sport des secteurs. Un endroit, bien sûr, pour faire du sport, mais aussi pour vous réunir et pour être ensemble. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous, dans un endroit, je crois, magnifique. C'est un des endroits plus beaux à Marseille pour construire ses premières terrains multisports. Après, c'est pas difficile de comment faire autour du football, de chercher de construire quelques liens. Il y a des terrains. Ce que je considère que c'est plus difficile, c'est de chercher de mettre tout le monde dans la même direction. Que ça, c'est une question dans laquelle l'Olympique de Marseille a ce caractère fédérateur dans lequel on veut développer tous les différents projets dans lesquels on peut donner des bons messages, des bonnes images et surtout de la fierté à Marseille. Depuis le premier moment, l'Agence nationale du sport et la ville de Marseille se sont rendus enthousiastes et dynamiques à appuyer ce projet. Dans un deuxième moment, avec la fondation CMA-CGM, c'était un engagement depuis le premier jour. Et je tiens à remercier Tania personnellement pour tous tes efforts que tu as eu depuis le premier jour pour faire que ce projet soit une réalité. Merci, Tania. C'est un message fort, spécialement parce qu'on fait que des emblèmes du monde économique et du sport de Marseille travaillent ensemble en cherchant que la ville puisse se développer avec de bonnes valeurs. C'est quelque chose dans lequel on tient à cœur. Comment on tient à cœur à respecter toutes les valeurs primaires du football. Le football, c'est le sport numéro un au monde, seulement pour une chose, son component populaire. Et Marseille, c'est une ville populaire. Et il faut rappeler que ce terrain, ça va donner l'exemple et l'image de toutes les valeurs primaires, spécialement parce que le football, c'est un sport dans lequel il n'y a pas de différence sociale. C'est un sport que tu as besoin seulement d'un ballon et un coéquipier ou un adversaire pour partager des moments dans une société que chaque jour c'est plus individualiste et c'est plus dans le présent. Un terrain, ça donne de l'envie de trouver des partenaires, de trouver des amis, de pouvoir gagner, de pouvoir être compétitif, de pouvoir partager des moments de vie et de faire du sport. Ça, ce sont les bons moments pour lesquels on est très investi à pouvoir développer des projets dans lesquels ça ne sera pas les premières. Il y aura beaucoup d'autres et c'est quelque chose que ça nous tient fier. Un dernier mot, merci Madame la Ministre d'être venue à côté de nous aujourd'hui. C'est un moment important, c'est un moment dans lequel on est tous très investis pour l'avenir de la ville. Et ce sont ce type de projets dans lesquels on croit que c'est quelque chose dans lequel c'est une image de comment on peut tous travailler ensemble. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je suis arrivée tout à l'heure par l'avion et chaque morceau de cette visite a été émouvante, forte et me renforce encore dans cette certitude que le sport est une valeur d'avenir et peut changer la société. Alors merci Marseille déjà de communiquer cette énergie. Merci Jean-Pierre d'être là. Merci Basile d'être là. Je voudrais qu'on les applaudisse fort parce que vous êtes vraiment, vraiment le patrimoine du sport et un patrimoine vivant qui contribue à construire. Moi, je voulais redire à quel point pour nous tous, Marseille est une immense ville de sport. Le foot a jamais les premiers. Je pense qu'on a une identité très forte et très marquée au club. Et on aime,
on est très liés avec, à notre ville. Je pense que quand on a un partenaire qui partage cette passion pour la ville, c'est toujours plus facile d'imaginer ce type de projet, de mettre les forces ensemble. Et donc c'est ça qui nous permet. CMA-CGM, comme nous, voilà, se connaissent, partagent ses passions pour la ville. Et donc ça facilite ce type de projet. Ouais, ça illustre l'ancrage vraiment marseillais de l'OM, parce qu'à un moment on regardait peut-être un peu plus à l'international. On a l'impression que ça recentre aussi Marseille, l'OM à Marseille, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, beaucoup de partenaires, de la région, de la ville. Ça nous aide à amener ce type de projet. Je pense que pour nous, c'est une reconnaissance, parce que toujours d'amener ceux qui nos voisins, ceux qui sont à côté de nous, avec nous, ça montre ses capacités à fédérer. Et je pense que voilà, ce type de partenariat vont beaucoup plus loin qu'un partenariat typique. Et c'est un exemple. On travaille avec nos autres partenaires sur nos programmes initiatives précédemment, sur des autres projets à impact dans la ville. Et je pense qu'on verra des autres projets dans les mois à venir, des projets avec des acteurs de la ville. Ce qu'on appelle des partenaires, mais aussi des partenaires pas seulement des sponsors, des sponsorships, mais aussi de ce type d'action.